Hey gamer, ici Yuki, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Apex Legends dans laquelle je vais vous montrer 4 glitches que vous pouvez réaliser avec Pathfinder. Donc que vous pouvez réaliser, mais ne les réalisez pas souvent parce que vous pouvez vous faire report et vous faire ban et ce serait dommage pour vous. Donc je vais vous montrer 4 glitches. Donc ceux qui n'ont pas Pathfinder, restez tout au long de la vidéo. Et ceux qui n'ont pas Pathfinder, ben restez jusqu'au bout de la vidéo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ceux qui jouent Pathfinder, je pense que ça va énormément vous aider. Parce que dans cette vidéo, c'est des glitches qu'on peut faire en question. On n'a pas de Pathfinder, on ne peut pas. Et même si vous avez, il y a certains glitches que vous pouvez faire si vous faites partie de l'équipe de Pathfinder, mais il y en a certains que si vous n'êtes pas Pathfinder, vous pouvez pas le faire. En tout cas, je vous souhaite un bon vignoge et je vous laisse avec les 4 glitches. Allez, premier glitch de cet épisode, il se situe juste ici. Ça n'a pas de nom ici, hein, mais vous devez vous mettre là où je me situe. Vous avez visé avec la tyrolienne de Pathfinder, qui est d'ailleurs son outil. Vous allez viser ce rocher, vous allez prendre votre tyrolienne et vous allez vous caler sur le rocher. Et là, vous êtes intouchable. Vous êtes totalement intouchable. Tout simplement parce que c'est une zone considérée comme hors de combat, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans le combat. Donc même si les ennemis vous touchent, les balles passeront à travers vous. Par contre, si vous tirez sur les ennemis, vous pouvez leur faire des dégâts. Donc je pense que c'est ça qu'ils vont rectifier, que déjà ça soit une zone hors de combat et que si vous touchez les mecs, ça fait pas de dégâts. Le seul moyen que les gens vous touchent, c'est qu'ils arrivent par la tiro à droite, mais sinon, il n'y a pas moyen. Donc voilà, premier glitch cet épisode, plutôt pratique, mais n'en abusez pas, je le rappelle. Le deuxième glitch de cette vidéo, il se situe à la cage, donc vous allez devoir vous mettre à la cage, prendre la tiro qui vous emmène tout en haut. Une fois que vous avez pris cette tiro, vous allez rentrer dans le bâtiment et prendre encore la tiro afin d'être au niveau le plus élevé, au plus haut étage de la cage. Ensuite, vous allez viser juste ici avec votre grappin. Vous allez tomber et là, attention, collez bien le grillage parce que sinon vous allez continuer à tomber. Et là, vous pouvez vous caler. Donc pareil, les ennemis ne peuvent pas vous faire de dégâts, mais vous, oui. Ça va être plus compliqué parce que quand même, c'est un peu loin. Mais c'est quand même un cheat, c'est glitché. Donc n'en abusez pas parce que c'est vraiment super cheaté quand même. Les mecs, ils peuvent pas vous faire des dégâts, vous pouvez en faire. Donc c'est cheaté si vous n'avez pas de Pathfinder. Troisième glitch de cette vidéo, il se situe juste à côté du titan, plus au bas de la map. Donc vous allez vous mettre juste ici comme ça. Et vous allez, avec le second atout de Pathfinder qui est le grappin, vous accrocher contre le rocher, monter et vous allez vous caler juste ici comme ça, ne plus bouger. Et là les ennemis, souvent ils ne vous voient pas, mais si vous voyez qui vous tire, vous le savez. C'est une zone hors de combat, mais sauf qu'il n'y a pas le chrono, donc vous pouvez y rester indéfiniment. Ils vous tireront, ça passera à travers vous, vous pouvez tirer. Et ça fera des dégâts. Donc lui, il est vraiment bien parce que il est pas loin de vos cibles. Donc c'est ça qui est vraiment cheaté avec celui-là. Quatrième et dernier glitch de cette vidéo, il se situe sous le titan. Donc c'est le plus compliqué à atteindre parce que vous glissez énormément. Et en fait, pour l'atteindre, je vais vous montrer comment il faut faire. Donc c'est pas ça du tout. Là, je galérais un peu. Et après, j'ai compris comment il fallait le faire. Vous allez devoir placer une... Soit si vous y arrivez comme ça, tant mieux pour vous. Mais il va falloir que vous vous rabattez sur le côté gauche du rocher. Donc je sais pas comment vous l'expliquer. Donc là j'ai placé une tiro, je galérais comme un gros porc, j'y arrivais pas. Et je commençais un peu à m'énerver, donc je me suis dit, attends, on va. Il y a un accès sur le côté, regardez, là j'ai essayé d'aller là ici, vous devez aller. Donc j'ai placé mon grappin et je me suis mis tranquillement. Et si des ennemis avaient le malheur de me tirer dessus, il ne pouvait pas me faire de dégâts, mais oui, moi je le pouvais. Donc la tyrolienne, elle est assez courte, hein. Donc il faut savoir que si les ennemis arrivent à venir avec vous, ben, vous êtes mort, parce que quand un ennemi vient dans une zone hors de combat, vous pouvez vous mettre des dégâts mutuellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis, c'était Yuki, et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.